Mise en cascade de compteurs décimaux. Int 9. Mise en cascade de compteurs décimaux. Reportons à la figure 18 le diagramme des sorties de compteurs modulo 10 examiné dans la théorie précédente. Si nous associons logique positive, comme à l'accoutumée le chiffre 1 au niveau haut et le chiffre 0 au niveau bas, nous obtenons la table de la figure 19, où nous pouvons remarquer que de 0 à 9, le circuit compte en code binaire. Figure 19, les sorties du compteur sont en code binaire. État du compteur. Q4, Q3, Q2, Q1, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 1, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 1, 6, 0, 1, 1, 0, 7, 0, 1, 1, 1, 8, 1, 0, 0, 0, 9, 1, 0, 0, 1. Comme vous l'avez vu dans la théorie 9, il est possible de mettre plusieurs compteurs en cascade en reliant la sortie carry du premier à l'entrée chipénable T, CET, du second et ainsi de suite. Trois compteurs synchrones modulo 10 ainsi reliés forment le circuit représenté figure 20. Chaque décade, lorsqu'elle repasse à 0, incrémente la décade suivante de 1. Ainsi, la première décade comptera chaque impulsion, la seconde en comptera une toutes les 10 et la troisième une toutes les 100. Les niveaux des quatre sorties, Q1, Q2, Q3 et Q4, de chaque décade, forment un code binaire arrangé suivant la table de la figure 19. On peut retrouver le nombre décimal, résultat du comptage, en sachant que les quatre sorties du premier compteur indiquent le chiffre des unités, les quatre sorties du second, celui des dizaines, et celle du troisième, celui des centaines. De cette manière, le compteur utilise le code BCD. 1, 10. Décodeur de décade. Comme pour le compteur modulo 16, la décade a souvent besoin d'un décodeur pour ses sorties. Dans le commerce, on trouve des décodeurs avec 4 entrées et 10 sorties qui remplissent précisément cette tâche, figure 21. Ces décodeurs possèdent 4 entrées et 10 sorties. Ils permettent, lorsque l'on affiche un nombre binaire, sur les 4 entrées d'obtenir l'équivalent décimal en rendant valide l'une des 10 sorties. Il n'accepte donc en entrée que les nombres binaires compris entre 0000 et 1001, c'est-à-dire entre 0 décimal et 9 décimal. Ces décodeurs sont appelés 4 vers 10, de même les décodeurs à sortie hexadécimale sont appelés 4 vers 16. La figure 22AB représente un décodeur MOS type 4028B
4 vers 10 dont les sorties sont actives à l'état 1. D'autres décodeurs ont des sorties actives à l'état 0. La figure 22CD représente l'association de deux décodeurs 4028B afin de réaliser un décodeur 4 vers 16. La table de vérité indique l'état des sorties pour chaque combinaison D, C, B, A en entrée. On peut utiliser les sorties pour décoder différents codes. Ici, nous utilisons deux décodeurs en cascade dans lesquels ne sont exploitées que les sorties de 0 à 7. Jusqu'à cet hexadécimal, l'entrée D étant à 0, le circuit 1 à ses sorties validées et le circuit 2, le bit D étant inversé, ne peut avoir de sortie utilisée validée. À partir de 8 décimales, le bit D étant à 0, le circuit 2 a ses sorties 0 à 7 qui peuvent être validées suivant les combinaisons de A, B, C, alors que les sorties utilisées du circuit 1 ne peuvent être validées. Les sorties 0 à 7 du deuxième circuit sont interprétées comme 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous avons donc bien un décodeur hexadécimal. 1, 11. Décodage d'un compteur de Johnson. Comme vous l'avez vu dans la théorie précédente, le compteur de Johnson compte d'une manière bien particulière. En effet, dans ce compteur constitué de 5 bascules, les sorties peuvent prendre 10 combinaisons différentes, de 2 sorties chacune telles que représentées en vert figure 23. Le code Johnson n'est pas un code pondéré. On attribue à chacune des 10 combinaisons un code décimal de 0 à 9, tel que le décrit la figure 24. Il est donc nécessaire de décoder l'état des sorties pour individualiser chaque combinaison de façon à disposer des 10 sorties. Un bon nombre de solutions s'offrent alors et nous retiendrons celles adoptées dans le circuit intégré 4017B. Ce circuit intégré regroupe dans un même boîtier un compteur de Johnson à 5 étages et le décodeur approprié. Le schéma synoptique de ce circuit est représenté figure 25, ainsi que son brochage. L'entrée CP0 permet de déclencher le compteur sur un front montant, alors que l'entrée CP-1 permet le déclenchement du compteur sur un front descendant. L'entrée MR permet la remise à zéro générale. Elle est active au niveau HO. Les sorties au 0, à au 9, sont les sorties décodées. La sortie Q5 à 9 permet la mise en cascade des compteurs. Il suffit de la relier à l'entrée CP0 du compteur suivant. C'est un report actif au niveau L, bas. La figure 26B montre le schéma interne du compteur décodeur 4017B. Il comporte un compteur Johnson à 5 bascules suivi d'un réseau combinatoire de décodage. Le chronogramme, figure 26A, montre la validation successive des sorties décodées au fur et à mesure de l'arrivée des impulsions d'horloge. Dans le circuit intégré 4017B, les différentes combinaisons sont obtenues à l'aide de circuits NOR, suivis chacun d'un buffer, circuit oui, utilisé comme amplificateur. À titre d'exemple, la validation de la sortie Q4 est représentée en gras dans la figure 26B. Cette sortie, correspondant au code décimal 4, passe à un niveau logique H pour la combinaison des sorties Q4 et Q5 du compteur.
Merci de votre écoute. À bientôt.